tout le monde et bienvenue sur cette quatrième vidéo du playthrough de Stick It to the Man. Si vous n'avez pas vu les vidéos précédentes, je vous oriente vers les vidéos précédentes pour comprendre l'histoire. Et on va continuer là où on s'était arrêté. Donc en tripatouillant un peu, vu qu'on était bloqué, j'ai découvert qu'on pouvait tout simplement changer les items, les autocollants qu'on avait. Donc ça va certainement nous faciliter la tâche, on va voir ça un peu plus loin. Vu que je voulais remplacer la bouteille d'oxygène du clown par de l'hélium. Ça va peut-être débloquer quelque chose, on va voir ça tout de suite. C'était vers là. Alors. Voilà. I can't. If I let go, I'll die. Help me, please. Ed, I'll die. C'est affreux. Donc apparemment ça marche. Et on pouvait mettre la cible sur le clown. How come we're not hitting the usual wall? Je pense qu'on va essayer d'allumer ça du coup. Ah, quand on découvre un peu comment ça marche, ça va mieux d'un coup. Right on target, right. I kinda, you know, it's not so scary when we're both hanging here together. This is the best trick ever. This is perfect. You're perfect. We'll never do that old trampoline trick again. This blows it out of the water. I'm so happy. I love you, son. Ok, alors on va peut-être pouvoir choper quelque chose du coup. Le sourire. Le sourire qu'on va pouvoir placer à quelqu'un. Alors qui, je sais pas exactement, on va voir ça. Donc on redescend. Ah, comme ça. Voilà. Sans se faire capter par les gardes. Alors. C'est pas ça. On leur a pas lu les pensées à eux. Tiens. I could run away to freedom. I could follow my dreams of being in library school instead of this degrading show. What time for this? Okay. Normally people say bully like it's a bad thing. But have they tried it? It rules. Overtime for this? Donc il y a les deux brutes et au milieu il y a le mec qui est plutôt normal, on va dire. C'est un peu n'importe quoi. Le sourire. Peut-être chez le fantôme. Non, on peut pas l'utiliser chez le fantôme. On peut pas utiliser du tout ni celui-là. Chez les psys. Alors on avance à tâtons, hein. On fait comme on peut. Non. Non plus. Et ben c'est parfait. On va aller voir ça ailleurs. Là où il y avait une plateforme qui me permet d'aller nulle part en fait. À qui on pourrait mettre un sourire? Non plus. Est-ce que ça se passe toujours en haut? On va voir ça. J'ai pas l'impression. On peut prendre du feu de nouveau. Est-ce qu'on peut passer là-bas derrière? On peut passer là-bas derrière, d'accord. Donc ça fait un raccourci. On va relire les pensées des personnages. That's gonna come out of my paycheck, I think. Our bonus.
Non plus. You know, that wasn't so bad. Heights sound so scary if you're good at hitting targets. Mystère et boule de gomme. Non, par là, ça sert à rien. Qui nous repère, c'est tout. Ça marche pas. C'est pas possible. Par où est-ce qu'on pourrait aller? Je vois pas. Si c'est pas là que ça va, je vais faire un tour du côté de la grande roue. Je trouve ça bizarre qu'il y ait deux ennemis pour protéger la grande roue, parce que ça nous bloque pas vraiment. Donc est-ce qu'on peut passer par en haut? Peut-être. En dormissant un. Lequel des deux on peut endormir? Lui, on peut l'endormir. On va passer là. Oui, c'est bon, ça marche. Ah bah voilà, je me disais qu'il y avait bien quelque chose là-haut. Sauvegarde en cours. Là, il y a une épingle et là, il y a... On peut ouvrir, d'accord. Excuse me. Oh, yes, hello. Well, take a good look. Here I am, the bearded lady. Isn't that crazy? Doesn't that mess with your ideas of gender and beauty? I guess. Well, soak it up, because there's no recourse. Est-ce qu'on peut... Non, on peut rien faire avec ce personnage. D'accord, on peut sauter là en dessous. Et ça fait un raccourci. Je vais lire les pensées du personnage parce que je me demande ce qu'elle fait là. Easiest job in the world. It's amazing what a little super glue, a shaved dog, and a lot of patience can do. Oh. Et de la glu, ok. De la glu. Est-ce qu'on pourrait mettre la glu sur le trampoline? C'est possible. Du coup, ça collerait les personnages et ils pourraient pas finir le tour. Alors, je vois pas du tout à quoi ça peut servir d'autre. Et je vois toujours pas à quoi peut servir le sourire de clown, mais on va essayer de trouver. Hein. Donc, c'est ça, apparemment. Get ready to have your mind's body slammed! Not again. Wait a second! Your legs are tinier than mine! You've been faking this for years, Gigator! Library school, here I come! Oh! Our wrestling slash... C'est n'importe quoi. Et on peut prendre les bottes, ok. Say, kid. There's an opening in the wrestling area. You ever give any thought to being paid to push other men around in a padded square with elastic walls? Non merci, ça me dit rien. Alors les bottes. Les bottes. Le fantôme disait qu'il avait plus de jambes. Et ça marche. Perfect. Legs out of nowhere. This will definitely be all I need in my eternal afterlife. Goodbye, sweetie. I loved you more than I love even magic itself. Which is too bad, because if I studied magic harder, you wouldn't have died. Okay, I'm glad that's done. So, handsome, how long do you think it'll be before you get back into dating? I don't know, a few... Minutes? Well, that'd be quite the trick. Okay. Est-ce qu'on peut prendre le... On peut pas le prendre? Ah d'accord, on devait se rapprocher. Ah, donc si on n'est pas assez près au niveau des axes de profondeur, on peut pas prendre les objets. Alors est-ce que c'est... Je pense que ça va sur sa tête. Hein. And how does that make you feel? I've pulled back the veil between our world and the next. What? Huh? Are there any spirits with which you would like to speak? Dad, I want to talk to my dad.
He looks a little like me, only he's super old. Ghost of the skies, old dad, I command you here! What? Who called me? Dad, it's me. I just wanted to talk to you. To make peace about how you love lobotomies, and I love treating people without cutting into their skulls. Son, I have a mind to lobotomize you right here! You've been losing this argument for years, and now even when I'm dead, you drag me back so you can get one last word in? Of all the selfish, self-interested, totally deserving of a lobotomy actions to do! Le père sympa, je pense qu'on va lui mettre le sourire pour qu'il soit sympa. And another thing, son. Et c'est ça, hein, c'est n'importe quoi! I love you. Even though we have different approaches, we're both on the same team. Just don't want to see people be sad. You're doing good, son, and I'm proud of you. You know that, right? I do now, Dad. That's my cue. You be good, boy. Hooray! At last, an emotional breakthrough. Closure. Huh? What? What happened? What did I miss? I talked to my dad. He's a ghost, and we talked, and we worked things out. I can go back to work now. Thank you. What? Ghosts? Oh, that's crazy talk. You're crazy. What? No, I'm not crazy. He was a vision from beyond the grave. I'm not crazy. Next! I guess that's me. Excellent, excellent. Sit down here. And tell me all about how whatever your issue is makes you feel. Oh, well, I've got this giant spaghetti arm that comes out of my head. And only I can see it. Oh, but it lets me read people's minds. Telepathy, huh? That definitely sounds crazy. Ooh, but before I give you my diagnosis, there's one thing I'd like to try. Follow the pendulum. You are getting sleepy. You are about to tell me all your secrets. So, dang sleepy. Et on va repartir dans une séquence de rêve, je pense. Un peu comme au début. C'est ça! Du coup, on va passer... Voilà. Hey, what are you doing here? This is my hypnotically induced fantasy land. Don't worry. Just behave as you normally would. Knowing that I am always with you. Watching and silently judging. Ah, sweet. Voilà, bah écoutez, je pense que là on atteint les 15 minutes. Du coup, on a fait un chapitre en deux vidéos. C'était un chapitre un peu plus long. On verra ce que ça fait pour les chapitres suivants. En fonction de ça, on s'adaptera. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à vous abonner pour voir les futures vidéos. Merci à tous et à plus.